Si tu savais, mon frère, ce que je trouve là-bas chaque fois. Le rythme lent de la terre, où les vies passent doucement pas à pas. Si tu savais, mon frère, ce qu'ensemble veut dire là-bas. Au cœur des monastères, les dieux s'inclinent devant tant de fois. Ici nos âmes sont grises, les gens ne se regardent pas. Nos sentiments s'enlisent et l'on ne voit que ce que l'on n'a pas. Eux, tu sais, quand ils disent, pas besoin de signer en bas. Chaque matin, chaque brise, c'est ton corps qui parle pour toi. Si tu savais, mon frère, comme je me retrouve quand je suis là-bas. Dans leurs chants, leurs prières, où j'aime tant mêler ma voix. Si tu savais, mon frère, comme chaque jour est fort là-bas. Les bonheurs, les misères, tout se partage, même le moindre repas. Le pain et les chimères, la peur de l'au-delà. Juste offrir et se taire, sans réfléchir, juste comme ça. La crainte du tonnerre, la mort qui vient déjà. C'est tout leur univers qui partage simplement avec toi. Si tu savais, il suffit de donner. Si tu savais, aimer c'est partager. Si tu savais, il suffit de donner. Thank you.
Voilà, ici se clôture donc la randonnée que j'ai intitulée donc la randonnée du château de Gironde. Vraiment un site exceptionnel, un accueil vraiment chaleureux de la part de la gardienne des lieux qui nous a fait découvrir donc la chapelle du château de Gironde. Et voilà. Et donc on a clôturé cette randonnée par, comme vous pouvez le voir ici, la visite de l'église de Port-d'Agré. Et voilà, vraiment je vous conseille cette randonnée en famille, en couple, enfin vraiment une randonnée extraordinaire et vous verrez, vous en mettrez vraiment plein la vue. Voilà, à bientôt pour la prochaine randonnée.